Ok, salut la team, je suis André, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo comme vous l'aurez pu le voir dans le titre? Vous vous souvenez le jeu que j'avais créé il y a longtemps, la Warcraft numéro 1? Est-ce que vous vous en souvenez? Non? Allez voir la vidéo sur la toute première Warcraft numéro 1. Bref, est-ce que vous vous souvenez de l'intro? Si vous ne vous souvenez pas de l'intro, je vous la mets maintenant. Bienvenue dans la Warcraft. Ici, force, détermination et mental ont été mis à l'épreuve. C'est important, car attention, c'est tout à l'heure. Voilà, franchement, il était plutôt cool, mais j'étais pas à fond dans le montage comme maintenant à l'heure actuelle, vu que maintenant c'est mon travail. Donc, je pense que cette réalisation de la Warcraft numéro 2 pour l'intro va être, j'espère, parce que là, verrez-vous, ah oui, très important, vous allez voir la vidéo après la sortie de la Warcraft 2. Moi, là, je suis en train de la faire avant, du coup, que j'ai fait la Warcraft 2, je l'ai même pas encore fait avec quelqu'un, et c'est juste que je voulais vous laisser l'esprit de surprise de la découvrir pendant que je la faisais la première fois, et avant que vous sortiez cette vidéo-là avant, je trouve que ça aurait été vraiment bizarre. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Déjà, hop, je vous montre la Warcraft numéro 2. Bon, désolé, elle va être un peu éclaircie parce que comme vous savez, dessus c'est du plastifié et du coup, à cause de mes spots de lumière, ça fait des reflets. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la nouvelle case dans cette Warcraft numéro 2. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai fait la réalisation de l'intro numéro 2. Parce que, alors, oui, je suis pas tout seul pour faire l'intro. Alors, le montage c'est moi qui fais, le cadrage et tout, mais la voix c'est pas moi. Si vous avez vu, c'est une voix de fille. Donc, qui c'est cette personne? Vous allez la découvrir aujourd'hui. Donc, c'est parti, je vous explique le changement de la Warcraft numéro 2. Alors, il y a plusieurs cases. Comme vous avez vu, ça change pas vraiment. La couleur, je l'ai changée, j'ai mis en bleu parce que je voulais pas que vous pensiez que c'était la même chose et que vous vous dites, oh bon bah c'est encore la même chose, on zappe. Avant, elle durait très méga longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle était pas du tout adaptée à moi et même à ceux que j'allais voir. Pourquoi? Parce qu'elle était trop facile, donc ça veut dire que ça durait, le tournage durait au moins des fois 2 heures, même 3 heures, c'est super méga long. Pour le cadreur, pour moi en montage, pour les gens que j'invite, c'est chiant. Genre je peux pas dire, ah en fait on fait une vidéo, ça va durer 1 heure et ça dure 3 heures, donc non c'est chiant. Donc la première pompe, donc là c'est 20 pompes, donc là ça a changé, c'est plus des 10-15 pompes, c'est 20 pompes. Ouais, finalement je vous ai pas mis toutes les cases, sinon ça allait vraiment être trop long. Donc je vous laisse aller voir la vidéo sur la Warcraft directement pour tout comprendre. C'est parti. Ok, donc c'est de Warcraft, en gros pour vous dire, pour faire très simple, c'est toutes mes passions mélangées en une seule, en un seul objet. Et franchement je suis vraiment content de ça, et j'aimerais vraiment qu'elle marche. Donc j'ai vraiment énormément de projets avec ça, mais il me faut beaucoup d'argent, donc c'est très compliqué. Donc je verrai dans le futur. J'aimerais bien la recréer, mais en plus petite, pour pouvoir la commercialiser. Donc ça veut dire que vous pourrez l'acheter, je ferai un site en ligne et pouvoir le faire avec vos potes. Mais je me suis dit, beaucoup plus simple, pourquoi pas créer une application mobile? Ça pourrait être vraiment très intéressant. Mais c'est vrai que ce but de petit trou, ça peut être aussi stylé. Il faut arrêter aussi d'être trop sur les téléphones et tout. Ça pourrait être vraiment recréer vraiment un jeu de société en salle. Donc c'est vrai que j'adore, je voudrais vraiment garder cet objet là. Mais aussi le faire en application mobile pour ceux qui voilà qui n'ont pas envie de transporter des trucs comme ça à la salle. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, je la ferai beaucoup plus petite. Donc voilà, par la suite, dites-moi ce qui vous intéresserait, si je ferai une application mobile ou bien je la recrée en plus petite, dites-moi dans les commentaires. Donc là, c'est parti, je vais vous montrer la vidéo que je pense que vous attendez tous. Comment j'ai recréé l'intro numéro 2 de la Warcraft. Donc c'est parti, il y aura la prise de son, la prise de vue, enfin de caméra, cadrage. Et bien sûr, montage vidéo, je pense que je vais vous montrer quelques trucs, mais pas tout. Parce que sinon la vidéo va être trop longue et inintéressante pour vous. Voilà, en tout cas, si vous voulez en savoir plus par rapport au montage, comment je fais et tout, dites-moi dans les commentaires, je ferai quelques vidéos sur le montage vidéo avec grand plaisir. Donc voilà, donc c'est parti. Ok, salut. Elle voulait absolument qu'on passe tous les deux, donc même si tout à l'heure j'ai déjà dit salut, on refait ensemble. 1, 2, 3, ok, salut la team. Donc là, on se retrouve pour la première partie, partie... écriture. C'est parti. Donc alors, nous allons écrire l'intro. C'est parti. De la Warcraft 2. Donc voilà, la personne qui est dans l'intro numéro 1 a parlé, donc la voix off. Voilà, donc c'est qui? La sœur d'Anthony, enfin une des sœurs d'Anthony, parce qu'il y a la jumelle Cassandra et moi c'est Barbara. Allez, c'est parti. Sa préférée. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti, casse-toi. Allez, c'est parti. On va réécouter un peu l'ancienne, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, grave. Pour se la remémorer. Ouais. On est tous. Tu sais, c'est pas bienvenue parce que les gens ont d'abord. Enfin, les gens ont compris oui, le oui. concept. C'est vrai, genre, bienvenue. Prêt pour une nouvelle aventure, un truc comme ça, genre. Ouais. Prêt pour une nouvelle aventure. Non, je pensais pas à ça. Peut-être, vas-y, va mettre ma tête maintenant. L'autre il nique tout, en plus il monte pas sa tête. Ah, faut pas que je dise de gros mots non. Il faut pas que je dise de gros mots. Elle pense à ma monétisation, c'est mignon. Non mais Bruno, attends, tu veux quoi là, vrai, là? Non, dégage. Allez. Alors attends, bien. Non mais par contre, vous nous dérangez pas comme ça depuis 30 secondes parce que nous c'est très. Parce que là on travaille là, en fait. C'est professionnel. Ferme la porte. Donc bienvenue, pas bienvenue dans la Warcraft 2. Bah non. Genre, ah enfin, comme on se retrouve. Bienvenue dans la Warcraft 2. Ouais, vas-y. Yes. C'est bien ça. Ah enfin, comme on se... C'est bien. Ah enfin. J'ai toutes les idées, vous avez vu ou pas? Tu m'as toujours pas remboursé en fait pour le cadeau de Caro? Je passe la pub, oui, désolé. Oui, parce que passez pas les pubs. Il gagne plus de sous quand on les passe pas, mais bon là je vais la passer. 10 centimes. Bah y'a alors. Ça vaut le coup. Ça c'est celle avec la loue. Ouais, tu l'as toujours pas vu. Ah, en haut, j'ai bien bas.
Écris parce que même si c'est n'importe quoi, on s'en fout. Écris parce que sinon après tu vas oublier. C'est quoi que j'ai dit? Bah tu vois, faut que t'écris. Bah demande-le. Mettez dans les commentaires ce que j'ai dit. Vous avez galéré, vos mères. Denis, ça tu mets pas. Sinon on peut faire une workout book. Denis, des trucs comme ça tu mets pas, ouais, parce que là je suis en train de faire des trucs de bouffe. Non, Denis, arrête. Non, mais vraiment, je rigole pas, Denis. Le cauchemar commence dès maintenant. Le cauchemar, ouais. Faut pas abuser. Anthony, faut pas abuser, il va avoir la poule au ventre. Parce que de base, on voulait que quand il y ait ce bruit, les gens flippent leur race. Bah ouais, bah du coup là, c'est là hein, le cauchemar. Hein. Le cauchemar. Bah ouais, ça fait trop. Mais ça fait trop peut-être, Anthony, je pense. Rassurez-vous, ce n'était que le début. Et là, on remet les mêmes que les autres. Les règles ne changent pas. Les règles ne changent pas. Et là, on explique un peu le délire, quoi. Alors, on va mettre les mêmes phrases qu'on avait mis dans la une, hein, en vrai. Hein. Le jeu commence dès lorsque la roue commence à tourner. Ah, c'est bien ça, pas mal. Ah oui, t'en penses quoi, mon pote? Hey! En plus, là, normalement, la voix sera beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on avait filmé ça avec mon téléphone. Oui. Et là, du coup, je leur refaire un micro pour leur anniversaire. Un vrai micro studio. Enfin, pas non plus la gamme ouf. Mais mon meilleur cadeau d'anniversaire. La meuf a un voyage à New York et a dit que un micro, c'est son meilleur... Non, j'ai dit que ça se valait. Ouais. J'ai dit que ça se valait. J'ai dit que ça se valait, Anthony. Bref, le budget n'est pas le même. Et du coup, bah, logiquement, j'ai bégayé, mais logiquement, le son devrait être nettement mieux. Et j'espère, on verra bien. Comme je vous l'ai dit, le montage aussi, normalement, mais on verra. Des actions inattendues. Yes, yes. Oh, attends, refais-moi ça, c'était dégueulasse. Mais c'est le truc des skaters, quand tu skates, ouais, on fait ça. Désigner des... On a dit quoi? C'est vrai que t'as fait un coup de vieux, putain. Ça, c'est à l'époque des brises de Nice, quoi. Non, pas du tout, c'est les... Ouais, les surfeurs, mais pas plus de nous. Tel que... Ah mais... Là, on va mettre la case merde. J'avoue, la case merde. C'est vrai que c'est quand j'ai pensé à se mettre loin, je me suis dit, mais ça va être bizarre à tirer, pas tu peux... Oh, mais non, ça va. Non, en pire, je dis, si vous tombez sur cette case-là... Non, pas de merde, ça fait mou, c'est dégueulasse. Ouais. Right. Alright. La work term 2. C'est pas bien, c'est mec. Le mec il me tourne le dos, je dis bah tu fais quoi? Il me dit bah rien. Putain, mais Anthony, t'étais. Non, non, bah si, regarde ce que ça fait, ça fait une tache. Mais non, Anthony, c'est bien. Pas grave, ça se voit. Ça fait là aussi. Là. Ah oui. De toute façon, ça se voit pas. Là, on est vraiment, et cette position là, elle est jamais comme ça. Vous pensiez en avoir fini avec elle? Bah non. Ouais! Si. Vous pensiez en avoir fini avec elle? Que la roue ne cesse jamais de tourner. Ça, Spielberg, c'est du Spielberg. Vous pensiez avoir fait le tour? Détrompez-vous. A few moments later. Deuxième partie. L'enregistrement de la voix off. Donc c'est parti. Donc bah je te laisse entraîner. Moi du coup je vais servir un peu à rien là. Donc vas-y, je te laisse entraîner. Est-ce que si tu veux que je fasse un ah enfin ou ah enfin? Ouais, un truc comme ça. Ok. Ah. Attends, je suis hyper gênée que tu mettes ça. On verra si on le mettra après. Ouais. Que la roue commence à tourner. Chaque joueur fait tourner la roue. Chaque joueur fait tourner la roue. Donc en gros le son on l'a choisi, ça va être celui-là. Mon téléphone a écouté comme il est mort. Non Anthony, mais attends, il est où le micro? Il est pas là? Si là, mais là c'est mon micro de la caméra. D'accord. Mais trop de micro. La work turn 2. En gros ça va être ça. Il y a encore plus chaud. Vous pensez avoir fait le tour, vous trouvez la roue ne cesse de tourner. Je suis terminé par le pouvoir. Mais alors moi je me la raconte, ouais non c'est pas les gosses qui m'a. On m'a dit que t'aimais le rap. Quand je vois le mic, boulette. Quand je vois le mic comme ça, ça me donne trop envie de. Ouais, mais sauf que je sais pas rapper donc. Mais si. Oui, d'accord. Bon, allez. Détrompez-vous. Ah. Attends, 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 attends. Quand je dis go, c'est que laisse un petit temps d'avance si le micro enregistre pas tout de d'accord. Suite. D'accord. Voilà. Ah. Enfin, comme on se retrouve. Bienvenue dans la Work Turn 2. Perdant, une épreuve insurmontable. La Work Turn 2 revient encore plus joueuse et amusante que jamais. Quoi? J'avais pas mis que jamais. Et j'ai rajouté. Est-ce que c'est bien de dire la Work Turn 2 revient encore plus joueuse et amusante que jamais? Ah. Oh, c'est nul. Ah, t'en parles encore. Comment ce. Non, le A il est nul à chier. Mais je sais pas comment faire ça le A. Ça va être trop touché, le A il va être trop touché avec des. Ah. Les règles ne changent pas. Le jeu commence dès lors que la roue commence à tourner. Chaque joueur fait tourner la joue. La joue? Bah oui, allez. La joue, bien sûr. J'en ai fini. C'est chiant, putain. Allez, allez. Début. Les règles ne changent pas. Le jeu commence dès lors que la roue commence à tourner. Mesdames, messieurs, à vos marques, prêts, tournez. Oh putain, tournez. J'ai tout niqué.
T'as fait quoi? Je sais pas, je vais voir l'heure pour voir si j'ai la gym à 19h et... Vas-y, on va. Non, plus, ouais, tu peux le ça. Pas. Le pop, pop, pop. Ça, pour ceux qui ne savent pas, on va faire un petit cours. C'est pour le pop. Un petit pop, parce que voilà, ouais, quand elle souffle, bah je sens rien sur ma main, je sens aucun... Si, non, en gros, je veux dire, c'est vrai quand vous envoyez des messages vocaux sur WhatsApp ou autre, il y a des fois, les gens, ils sont très près de leur téléphone, et oui. Quand ils font le ils m'engueulent à chaque fois. Attends, le pff, c'est horrible. Donc, toi, tu m'as dit, je te préviens, mais on voit plus jamais de messages comme ça. Donc, pour moi, dans les téléphones, ils devraient mettre ça, un filtre anti-pop. En plus, ça serait vite fait en fait. Enfin, non, je pense que serait compliqué quand même. Ouais, c'est à la place. Bref, on s'en fout, on est oh, pas. Oh putain ouais, ouais, ouais. C'est prêt ? 1, 2, oh, ah putain, j'en peux plus. Là, ça commence à être chiant. Moi, je vais faire deux secondes en tout cas. Anthony, arrête. Ah ouais, vas-y. Mais non, c'est moi qui fais la voix, c'est pas toi. Vas-y, c'est vas-y, vas-y, on va voler, c'est le fait. Ah, enfin, commençons. Bientôt. Bienvenue dans la Wattard. Allez. Vous pensez avoir fait le tour? Ok, bon moi c'est bon. Donc bien sûr, bon je suis pas... Fin de l'enregistrement. Est-ce que tu veux qu'on fasse du yaourt? Tu vois c'est quoi le yaourt ou pas? Non c'est quoi? C'est ouais, je fais vraiment beaucoup de vidéos sur le son. En gros c'est pour ce qui est de dans les musiques ou quoi. Si tu veux racheter de la voix en arrière-plan mais toute petite. Ah ouais grave. C'est stylé tu vois, mais qu'est-ce qu'on pourrait racheter? Ah non, c'était à notre, bah, ma soeur jumelle du coup, notre soeur. Et c'était donc à ma soeur. Et un jour quand elle était petite, je sais pas, il devait avoir 3 ans, ma soeur l'avait, il le voulait absolument. Du coup il lui a arraché les bras. Et il l'a assommé, ça en bois, c'est hyper lourd. Hein. Il l'a assommé comme ça sur la tête et elle a été à l'hôpital. Voilà, mais elle m'a voilà. Cherché. Non, mais attends, non, tu voulais juste non, troisième partie, le. C'est quoi que tu m'as dit déjà? Le yaourt, enfin, on va dire. Le yaourt. C'est, on va faire un mélange de yaourt et de petits sons en plus, genre la Wattard, des petits tam tam. Et donc, yaourt, c'est quoi? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans les musiques, par exemple, dans le rap? Il y a d'autres paroles en fait en arrière-plan, mais qui sont. Pas très fort. Genre, ça fait mal, ça fait mal. Voilà, c'est ça, voilà. Absolument pas. J'espère vraiment que vous allez me pardonner, parce que voilà, c'est pas du tout mon domaine, je suis pas dans le son. Mais en gros, un yaourt, c'est quoi? C'est, imaginons, dans un son, et ben en arrière-plan, vous commencez, vous avez pas encore les paroles, vous faites non. Bref, vous avez compris ou pas? Allez, c'est parti. Donc voilà, on va faire un mélange. Voilà, c'est ça. Ça va faire un mélange de yaourt et des petits sons. Nous, ça va pas être des... Ouais, vous allez voir, c'est stylé. Vas-y. Bon. Premier bruit du tam-tam. Premier bruit du tam-tam. Pas mal. Attends, attends, on va faire ça aussi. Ouais, putain t'as des idées toi. Vas-y. Deuxième bruit du tam-tam. Les petits doigts. Là ou là, là. Voilà. Putain on aurait dû faire une vidéo ASMR. Ça aurait été drôle mais si. La Wattard. Que ça fasse trembler. Ok, maintenant on va enregistrer, donc comme je vous ai dit, le yaourt. Êtes-vous prêt? Êtes-vous voilà, prêt? Voilà, êtes-vous ça. Prêt? Êtes-vous prêt? Non, juste en fait, juste un, genre, je trouve. Oui, oui, bah je sais. Vas-y. Êtes-vous prêt? Non, plus un. Êtes-vous prêt? Non, c'est bon celui-là, c'est bien. Le puage de gueule. Ouais, et si on n'aurait pas eu le filtre anti-pop, ça aurait fait un dégueulasse. Et là, il y a le truc ça. Putain, j'avoue. Et bien, ok, là, donc là, on va faire un. Ouais, vas-y, fais-le toi! Ouais. Mais non, c'est bizarre. Ouais, non, j'avoue. Ouais, j'ai rigolé, on va dans un défi. Moi, j'ai rigolé, là, t'as été sérieuse quand même. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez, on va essayer de faire une instru avec, bah, c'est quoi, avec mes deux sœurs. Si vous êtes chaud, dites-moi dans les commentaires. Ah, pour les vidéos Wattard? Non, mais on fait une vidéo en mode, on fait une instru en une heure. Ah, ouais, grave! Sur un thème donné. Bah, oui, sur un thème donné, bien sûr. Partie 4, les images! C'est parti. Donc là, je suis là. Donc là, je regarde le papier, je fais. Ça, c'est bien, non? Non, je te donne le papier avec ma main, Anthony. Vas-y. Faut qu'on voit ta main. 2, t'inquiète, 3. Parfait. Parfait. Donc là, vous voyez un peu, quand je fais mes miniatures, c'est ici, hein, fond vert, et je me prends en vidéo, et je fais des photos, enfin des trucs nuls, pour vous cliquer sur la vidéo. D'ailleurs, après, on va faire la miniature. La miniature, okay. En gros, sera toi à côté, mais tout en noir, avec un gros point d'intégration sur toi. Okay. Là, moi, je vais être comme ça, je vais être en mode voilà. Qui est la voix off de la Wattard. Bah ouais, c'est moi la star de la vidéo. Non, t'es fêté, du coup. Oh merde. C'est bon comme ça ou pas? Pas mal. C'est bon. Rigole un petit peu quand même. Pourquoi? Bah pour montrer que c'est rigolo tu vois. Rigole genre ah putain tu vois. Si si Anthony c'est mieux. Et après tu fais oh, comment ça rigoler? Mal. Je sais pas trop faire la joue d'acteur mais ça va pas. Ma gueule est pas foutée hein. Non. Voilà. Là c'est bon c'est super. Toi à ma droite. Ok la team, c'est parti, fin de la vidéo. Donc la partie montage, donc la partie numéro 5 si je me souviens bien, vous l'aurez pas parce que c'est inutile, voilà, j'ai pas trop envie de vous montrer. La vidéo finie, vous l'aurez
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci Babou de m'aider pour cette voix off, de m'avoir aidé pour cette journée interminable cet après-midi. Ça va, ça a été. Ouais, vraiment, ça va. Franchement, on a fait ça rapidement, je trouve. Ouais. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, n'oubliez pas si vous voulez une vidéo où je fais avec mes sœurs, donc la même en double en fait. Voilà. Hop, à la côté. Encore mieux. Voilà. Et en gros, du coup, on va faire une instru, je sais pas, au moins 2 heures, mais avec des trucs que vous voulez, enfin un thème que vous allez proposer tout simplement. Donc dès maintenant dans les commentaires, dites oui ou non, et si oui, proposez votre thème. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas. Non, c'est lui, on commence. Allez, c'est parti, on dit la fin, t'es prête? Allez. Allez, c'est parti pour la fin, pas de cut, c'est terminé, j'ai plus beaucoup de batterie. N'oubliez pas surtout, prenez soin de vous. It's on 40 in my red car. Business change, yeah, I like I ain't artist. Get in money, nigga, that my man.